c'est donc effectivement une enquête qu'on confie au narrateur, qui est un détective privé néophyte, on va dire, et pas extrêmement doué non plus pour ce métier-là. Une enquête qui finalement va se révéler presque secondaire. Enfin, le sujet de l'enquête est assez dérisoire. Mais le narrateur, le détective, lui, va mettre vraiment toute sa bonne volonté, son professionnalisme, enfin, ou le peu de professionnalisme qu'il a, à essayer de résoudre cette enquête, jusqu'à y accorder presque plus d'importance que les commanditaires eux-mêmes, finalement, qui vont jeter l'éponge bien avant lui. C'est le prétexte, je crois, de... pour ce personnage d'aller jusqu'au bout d'une obsession, de bien faire, de résoudre quelque chose qui... y a sans doute pas de résolution à cette histoire-là. En fait, c'est l'histoire d'un enlisement. Oui. Mon précédent livre, Libellule, était un recueil de nouvelles. J'avais vraiment pour projet de travailler sur des formes courtes, enfin, sur des choses... dès le début, c'était clair. Enfin, je ne me suis pas posé la question. Je savais, on va dire, que les différents sujets de ce livre-là ne feraient pas un roman. Je saurais pas dire vraiment pourquoi. Enfin, je pense qu'on pourrait partir d'un sujet de nouvelles et en faire un livre. Enfin, ce serait pas très difficile. Je veux dire, c'est le sujet, on peut toujours le creuser, on peut l'aborder de manière différente, on peut l'étirer, enfin, on peut le contourner de toutes les manières. Je veux dire, je pense que c'est possible. Après, c'est plus des choix de départ, en fait. Voilà, un état d'esprit dans lequel on se place, enfin, en ce qui me concerne. Ce qui n'est pas pareil, c'est un peu un roman, c'est plus une course de fond. Voilà, c'est sur la distance. Ça m'amusait, on va dire, de n'accorder aucune importance à la matière même, enfin de garder, on va dire, la coquille du polar et ce personnage très, très consciencieux qui effectivement enquête je le disais, pas grand-chose, en fait. Je vais finir par le dire, finalement, sur quoi il enquête, mais non. Donc ça m'amusait de... C'est comme un polar qu'on aurait vidé de tout ce qui fait l'essence du polar même, en fait, voilà, à savoir l'enquête. Moi, j'ai toujours, peut-être parce que j'ai un peu de mal avec, à m'attacher à savoir qui a fait quoi et les rebondissements du... Mais souvent, je suis largué, en fait, j'y comprends rien. Et donc, moi, ça m'amusait de me servir de ces codes-là sans m'en servir, voilà.